C'est de ça qu'on parle. Pourquoi aller rentrer dans les confréries? Pourquoi aller rentrer dans les confréries? Ou encore dans les fédérations? Non! Non! Même le Seigneur m'a dit, mettre une photo de pasteur sur une affiche, mais c'est de l'idolâtrie. Tous ceux qui prient dans une église où il y a photo du pasteur sur l'affiche, c'est fétiche que vous faites là-bas. Le pasteur, il est qui au ciel? Dans le classement de l'ordre des degrés dans le ciel, il est qui? Il n'est même pas millième. Tu sais combien de saints qui sont morts avant que nous on va venir? Champion, soyons humbles. Hein? Soyons humbles. Les gens là, les fidèles là, peuvent te pousser en erreur. Mais il faut te rappeler de ton appel. Je peux parler à quelqu'un? Comment tu peux oser mettre ta photo sur une église? Hier, je marchais, j'étais avec Alphonse. On a vu l'église Assemblée de Dieu. Ils étaient en train de coller des affiches pour une veillée. J'ai dit, Alphonse, tu vois, tu as une photo d'un pasteur ici? Il dit non. Mais l'église Assemblée, où elle est arrivée? Est-ce qu'il y a une église en Côte d'Ivoire qui est arrivée là-bas? Il dit non. Mais pourquoi eux, ils ne mettent pas photo dessus? Tu penses que le pasteur qui est en train de dépenser l'argent pour ces affiches-là, il n'a pas de photo, mais il est vilain? Chers évangéliques, arrêtez l'idolâtrie. Ce n'est pas biblique, ça ne sera jamais biblique. Mettre ta photo sur une affiche, tu es qui? Même souvent, même photo, même les gaillards comme ça, écriture, on ne voit pas. C'est faux, mais c'est vrai. Il y a d'autres même qui ont calendrier, photo là-dessus. D'autres, ils ont mouchoir. On dit, il faut prendre pour essuyer ta figure. Bonheur va venir sur toi. Et puis, ils vendent ça. Calendrier, on vend. On dit, tu mets dans la maison. Sorcier ne peut pas rentrer là-bas. Ils ont les livres de prière. Ce qui est dans la Bible, ça ne suffit plus. Le Seigneur dit, ce n'est pas des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Ce n'est pas l'Esprit que nous prions. Eux, ils copient prière. On n'a qu'à réciter prière. La prière, c'est récitation. On peut donner une méthodologie de prière, mais laisse les gens prier par inspiration. La foi qu'elle a, ça grandit. Quand on est né, on est comme des bébés. Mais après, on n'a plus besoin même de quelqu'un pour prier. Ça vient. Quelqu'un qui a un problème, on peut apprendre à prier. Ton frère est en train de mourir, ça va prier même en langue. Toujours, vous les francophones, 1, 2, 3 net, ils sont au Ghana. 1, 2, 3 net, ils sont au Ghana. Ils ne sont pas au Ghana, ils sont au Nigeria. Pourquoi ne partez pas au Libéria? En fait, c'est des bêtises. Consacrez-vous. Dieu va vous utiliser.